Enfin, l'équipe dirigeante de la commune de Bassila est connue. Le préfet Souleymane Ilyassou Biawaïna désigne et installe le nouveau bureau du conseil communal de Bassila. Nous avons abouti à la connaissance du maire en la personne de Tassou Filkibirou et du premier agent au maire qui est Gomina Aboubakari et du deuxième agent au maire Maman Kouta Yaya et des quatre CA de Bassila. Tout s'est passé dans la paix, dans le calme et dans le respect des textes. Nous avons eu un effectif qui dépasse largement le quorum parce que plus de 14 personnes sont présentes parmi les conseillers sur les 25. Né le 1er janvier 1962 à Bodi, Filikibirou Tassou Zakari, maire de Bassila, est un agroéconomiste de formation, membre du Bloc républicain. Ce professeur à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou est l'actuel secrétaire général du ministère du Plan. Il confie ses premiers challenges et chantiers à la tête de Bassila. Les élections sont terminées. Place à l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement local de la commune de Bassila. Le premier challenge pour moi, c'est comment créer la cohésion du groupe. Le premier chantier, c'est un état des lieux de la situation afin de mesurer l'enjeu du développement local qui nous entend, de définir les grands défis avec l'ensemble du groupe, voir comment nous allons tracer les axes pour l'atteinte des objectifs que nous allons nous fixer issu de ce diagnostic. À sa population, il adresse un message d'unité et de patience. La population doit se dire que ceux qui sont élus sont là pour le même combat que tous ceux qui sont allés à la conquête de leur suffrage. Et donc, nous devons nous dire que nous sommes désormais un et nous avons un seul ennemi, la pauvreté, le sous-développement de la commune de Bassila. Cette désignation des membres du bureau communal de Bassila a eu lieu conformément à la fiche de déclaration de candidature dûment signée par les présidents des partis Union Progressiste et Bloc Républicain, matérialisant l'accord de gouvernance.